Aujourd'hui, avec mon smartphone, j'ai besoin de plus de rapidité. Pour échanger avec mes contacts, regarder des vidéos, mais aussi jouer à des jeux. J'attends un réseau qui m'accompagnerait partout, dans un monde où tout va très vite, en fait. L'ambition d'Orange, c'est d'abord de répondre à la formidable demande de ses clients qui ont besoin de toujours plus de connexions, de toujours plus de débit et partout. On le voit, la demande est là. Donc notre ambition en matière de 4G, c'est notre métier finalement, c'est d'être le meilleur à la fois en couverture et en débit, parce que la spécificité d'Orange, ce pourquoi il est reconnu aujourd'hui par ses clients, c'est vraiment la qualité de son réseau, la qualité de son réseau 3G. Et donc cette position numéro 1, nous entendons bien la garder pour le réseau nouveau qui arrive, le réseau 4G. La force du réseau d'Orange, c'est d'abord son étendue, sa couverture, notre capacité à être présent partout sur le territoire. Et puis c'est aussi notre capacité à offrir une vraie expérience étonnante en 4G, c'est-à-dire avoir des contenus qui arrivent sur son smartphone ou sur sa tablette 10 fois plus vite qu'en 3G, parce que nous avons la meilleure quantité, la plus grande quantité de spectre. Ça nous garantit d'offrir à nos clients le meilleur débit, la vitesse la plus rapide pour télécharger sa musique, télécharger ses films, regarder des vidéos en streaming. Le réseau 4G se déploie, c'est un déploiement qui va aller très vite, qui démarre. Donc nous allons ouvrir avec 15 agglomérations, ce qui représente à peu près 85 communes. Et bien entendu, ce nombre de villes va aller croissant tout au long de l'année 2013. C'est 85, puis très vite 100, et puis 200, puisque nous allons aller le plus vite possible pour déployer la 4G. Avec vraiment une préoccupation en tête, c'est d'essayer d'avoir la meilleure couverture par zone de vie de nos clients, de faire en sorte que l'agglomération, là où ils vivent et là où ils travaillent, soit bien couverte. Le premier accompagnement, c'est d'abord la proximité que nous avons avec nos clients, le fait que nous sommes présents, bien entendu, sur Internet, et un Internet humanisé, avec des conseillers qui peuvent chatter en direct avec les clients ou répondre sur Twitter ou Facebook. Le fait aussi que nous avons un réseau de boutiques très étendu, de 1100 boutiques, partout sur le territoire, avec des conseillers qui peuvent démontrer, expliquer ce qu'est la 4G. L'accompagnement, c'est aussi des offres commerciales qui permettent à nos clients de découvrir cette 4G, d'en profiter avec à la fois l'offre qui va bien et puis la quantité de data dans l'offre aussi qui leur permet vraiment d'utiliser le meilleur de la 4G sans se soucier d'être coupé à un moment. Et puis enfin, l'accompagnement, c'est aussi proposer des nouveaux services. Vous savez qu'on a lancé déjà le cloud qui permet en fait de télécharger sur le réseau, de sauvegarder de manière très sécurisée toutes ces données personnelles. Et bien avec la 4G, c'est 100 gigaoctets de stockage qui seront proposés dans nos offres à nos clients. C'est aussi la capacité d'avoir de la télévision d'Orange avec toutes ces chaînes. Et puis enfin, c'est aussi une nouveauté, de pouvoir partager sa connexion avec une tablette. Donc si vous prenez un abonnement chez Orange, vous aurez la possibilité avec une deuxième carte SIM de mettre cette carte SIM dans votre tablette et de profiter soit sur votre smartphone, soit sur votre tablette du meilleur de la 4G d'Orange.